Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Aujourd'hui, on s'intéresse à une nouvelle vidéo dédiée à Kubernetes. On s'intéresse à la 14e vidéo. Donc petit à petit, voilà, on avance tranquillement sur Kubernetes. On va s'intéresser aujourd'hui aux labels et aux annotations. Alors, on va juste voir les principes. On va faire quelques lignes de commande. Ce qu'il faut retenir, c'est que les labels et les annotations, déjà, c'est à peu près c'est de la même manière de pouvoir les instancier. Donc on ne va pas avoir en ligne de commande, on va faire uniquement les labels aujourd'hui. Pour les annotations, c'est exactement le même principe. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur le principe, c'est des choses qui s'appliquent à toutes les ressources. Donc les labels et les annotations, c'est des choses qui vont permettre de pouvoir ordonner Kubernetes, classer, améliorer votre travail avec votre cluster Kube. Les labels, c'est quoi? Donc, c'est plutôt les labels, eux, ils ont une vocation interne à Kube. Ils vont permettre, par exemple, on va le voir, de cloisonner, quoi de pas de cloisonner, mais de classer les pods. Et par exemple, se dire, voilà, on va avoir un label env qui va servir pour définir si on a comme une espèce de variable une étiquette qu'on va coller sur nos pods ou nos déploiements ou nos services pour dire voilà, ça c'est un environnement de ceux-là, ils sont dédiés à un environnement de prod, d'autres à un environnement de dev, d'autres à un environnement de recette, etc. etc. Les annotations vont avoir une autre fonctionnalité, ça va être plus de l'organisation externe, donc là plutôt de l'utilisateur pour pouvoir faire utiliser certains éléments. Aujourd'hui, on va faire que de la command line. On verra plus tard, bien sûr, on va utiliser dans la prochaine vidéo d'ailleurs les manifestes Kubernetes, les fichiers de configuration. Donc voilà, les labels peuvent être notamment utilisés avec un outil selector qui vont permettre de sélectionner uniquement certains pods en fonction des labels qu'ils contiennent. On va même pouvoir faire des regex, on va pouvoir faire des sélections poussées, combinées, etc. avec plusieurs labels. Alors, ce qu'on va faire, on va lancer deux déploiements en fin de compte. Donc un premier déploiement qui va s'appeler Mon Nginx, un deuxième Mon Nginx 2. Donc là, on va se rendre sur notre master. Voilà, donc là, on lance Mon Nginx. Ce qu'on fait, c'est pour lui préciser, lui coller des labels, on va rajouter tout simplement tiret tiret labels et entre double côte les labels en question séparés par une virgule. Donc là en l'occurrence j'ai un label env et j'ai un label groupe. Hop, groupe ici. Et ensuite on affecte une valeur par rapport à ce label, donc égale prod par exemple pour l'env et pour le groupe égale front. Donc là voilà, on le lance. Alors on a un petit message pour nous indiquer qu'on est deprecated puisqu'on fait un kubectl run. Bon, c'est pas très grave. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire un mon nginx 2. Hop, voilà, un autre déploiement avec un label cette fois-ci de dev. Voilà, toc. Et puis on va faire un troisième pour la forme en indiquant qu'ici on est sur un bac. Donc là on va s'intéresser vraiment à cette affectation de label. Donc ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps, on va faire un kubectl get deploy et là on s'aperçoit qu'on a bien nos trois déploiements qui ont été faits. Et donc là si je rajoute tout simplement tiret tiret show labels, on va avoir les labels en plus. Donc ça c'est plutôt cool. Si on s'intéresse côté pods, on va tout simplement remplacer deployment par pods. Et là on a bien trois pods qui ont été lancés, hein, chacun pour nos déploiements. Et là on retrouve bien nos labels qui ont été affectés. Donc ça c'est cool. Donc on a vu le show qui fonctionne pour les pods, qui fonctionne pour les déploiements, comme on vient de le voir. Maintenant on peut aller écraser tout simplement un label. Alors on va le voir, il y a une petite nuance sur les pods qui dépendent d'un déploiement. Donc nous on va s'intéresser à un déploiement par exemple. Donc on va relister nos déploiements. Et ce qu'on va faire c'est que le premier on va le basculer sur un env de prod, de dev, pardon. Donc on va faire un kubectl labels hop là. Hop. On va s'en mettre comme il faut. Hop. Tiret tiret override
Overwrite, en fait, tout simplement pour écraser l'existant. Donc nous, on est sur un déploiement. Et ici, on va dire que le déploiement, c'est mon Nginx. Et là, on va simplement spécifier, comme on est en mode Overwrite, le label qu'on veut modifier. Donc nous, on dit que voilà, le label en, on va lui affecter un dev, tout simplement. Donc on va relister notre show label. Et vous voyez que ici, le déploiement a bien été changé. Alors la particularité, et c'est d'ailleurs je trouve ça un petit peu dommage, si on fait un kubectl get pods tiret tiret show labels, eh bien en fait notre pod qui dépend ici du déploiement qui était juste au-dessus, donc le déploiement qui est quand même la couche supérieure, mais en fait tout simplement ici notre label est resté à prod. Donc on peut aussi bien sûr le modifier. Vous allez voir l'effet que ça va avoir tout simplement. Donc on va faire un toc, 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 ici, voilà. Un override toujours, cette fois-ci sur un pod qui est mon Nginx. Tiret, hop, voilà. Et là on lui dit bah voilà, écoute, ce pod là, ce que tu vas faire, tu le changes de label. Vous allez voir, on va encore avoir une petite un petit peu une déception en fait. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez qu'en fait il est en train de créer un pod. Hop, alors on revienne un petit peu en arrière. Voilà. Toc. Donc nous ce qu'on a dit c'est qu'on voulait un pod ici. Que notre premier pod qui était ouais, ici tabulé. Ok, donc nous ce qu'on lui a dit c'est qu'on voulait que le pod qui était de prod ici devienne un pod de dev. Donc là en l'occurrence si on check qu'est-ce qu'il a fait? C'est bizarre dans l'ordre des choses, on dirait que c'est pas tout à fait les mêmes bonnes choses. Eh oui, non. C'est pas très logique ce qui s'est passé. Alors, on va recommencer. On va faire un kubectl, delete pod-all. Comme ça, il va tous nous les. Donc là, on. Alors, je fais quelque chose de particulier, c'est que je supprime tous les pods. Donc ce qui va se passer, c'est que Kubernetes va repartir des déploiements qui n'ont pas été supprimés. Et comme les déploiements lui dit, bah voilà, écoute, tu vas me maintenir bah, trois pods qui se nomment Nginx 1, 2 et 3, quoi, 0, quoi, Nginx tout court, 2 et 3, et bien il va repartir de ses labels, et voilà, vous voyez qu'il a recréé les pods. Donc c'est pour ça que je me suis permis de tout supprimer, parce que je savais qu'il allait recréer derrière. Donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va modifier ici le label qui correspond à env-prod. D'ailleurs, si on refait un get, hop, voilà, je voulais vous montrer quelque chose un petit peu. Voilà, si on fait un get sur le déploiement, vous voyez qu'on a les déploiements, on a redéployé tous nos pods, et malgré cela, même si notre label de déploiement est env-dev, on a bien un env-prod qui traîne. Donc là, le réflexe, c'est effectivement de le changer et de le passer en env-dev. Donc on va le passer en env-dev. Hop, voilà, tac, 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 tac. Voilà, donc celui-ci, la première ligne, on va le passer en env-dev. Et qu'est-ce qui se passe? Hop, si on regarde nos pods, et ben en fait on se retrouve avec 4 pods. Et c'est assez perturbant puisque ce qu'il a fait, il a bien changé notre pod en env-dev, mais il vient de recréer un deuxième pod en env-prod. Pourquoi? Parce qu'il est resté sur le déploiement qu'il avait en mémoire à l'origine et qui lui disait, bah, écoute, il me faut un pod en env-prod, tout simplement. Donc petit à petit, bah, Kubernetes en fait reste sur ce qu'il avait en mémoire. Donc ça, je trouve pas ça hyper pratique. Même si les labels et les pods, en fin de compte, bon, c'est quand même quelque chose de très très utile. Alors là, le gros inconvénient, c'est pourquoi? Parce que tout simplement, on l'utilise en ligne de commande. En ligne de commande, c'est quand même pas la meilleure manière de fonctionner. Donc je pense que ça facilite le bug en question.
Si on était en fichier YAML, donc en manifeste, je pense qu'on n'aurait pas forcément le problème. Alors comment ça se passe ensuite si on veut supprimer tout simplement notre label? Donc on va le faire. Nous, on va le supprimer par exemple pour un déploiement. Donc on va faire un cube CTL label deploy. Hop. On est sur mon Nginx, voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va faire un tiret tiret override et on va lui passer. Ça, j'ai pas oublié un truc. Ok, non. Et on va lui passer un nonv. Et je crois que c'est tiret tiret ou tiret. Non, tiret tout court. Hop, voilà. Donc là, c'est bien ça, un env tiret. Un groupe, on va supprimer le groupe tiret, et voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, si on regarde, on a bien ici un label qui a été supprimé. Si je veux faire le deuxième, ici je lui passe en tout court. Alors je vous le dis, hein, on le fait en ligne de commande, hein, c'est pas la meilleure méthode du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, c'est marrant ce qui s'est passé. Donc vous voyez, c'est pas du tout la meilleure méthode. Ce qu'il y a à retenir par contre, c'est qu'on a l'utilité, la possibilité d'utiliser le sélecteur. Donc le sélecteur, comment il fonctionne? On lui passe tout simplement, hop, voilà, ici tiret tiret sélecteur sur l'élément, donc get pods ou get deploy ou get service tiret tiret selectors, et on lui précise le label sur lequel on veut faire le tri. Donc ça, on peut le faire. Donc on va faire un kubectl getDeploy tiret tiret selector, et on va lui dire ça, tu me sélectionnes uniquement quand l'env est égal à prod. Et puis on va lui rajouter tiret tiret show labels, voilà, de manière à ce qu'on affiche bien les éléments. Et voilà, on a bien uniquement celui-ci. Puis si je mets dev, bien sûr, vous vous doutez du résultat. Toc. Voilà, on n'a que celui-ci. L'autre élément, la petite remarque, c'est que vous voyez ici, je vous l'ai indiqué, on peut faire de la multisélection avec des choses plus ou moins compliquées, plus ou moins complexes. Là, par exemple, on peut dire, voilà, quand env, tu me récupères les éléments uniquement pour les env qui prennent la valeur d'eval ou prod. Donc on peut fonctionner par liste. Et comme je vous disais au tout début, on peut aussi concaténer, compiler, cumuler les critères. Voilà, alors là, c'est pas le meilleur exemple ce que je vous ai montré, puisqu'en fait, bah voilà, on fonctionne en ligne de commande, comme je vous disais, ça facilite certains bugs, donc il vaut mieux passer par le fichier manifeste. Et ça tombe bien, la prochaine vidéo sera dédiée au manifeste. Les annotations, comme je vous disais, c'est exactement le même fonctionnement, mais avec annotation et pas label. L'annotation, elle va permettre plutôt de garder des traces de choses. Donc c'est là, par exemple, bah, on va pouvoir mettre dans les annotations, bah, qui a fait les modifications, les versions, etc. On va pouvoir stocker aussi des fichiers. Donc bah, si on transforme des images en base 64, on va pouvoir les stocker à travers les annotations. On va pouvoir aussi stocker des liens, des URL pour pouvoir les réutiliser par ailleurs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Un peu perturbante, comme vous voyez, parce qu'en fait les labels, c'est pas si facile que ça à manier en ligne de commande, comme je vous disais. Il vaut mieux fonctionner par le manifeste, c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc je vous dis à très bientôt.